Et rebonjour, toujours Jake. Bon écoute, si tu capitules maintenant, je dirais à Gothik de ne pas te transformer en âme désincarnée. Et on continue notre aventure sur Hearthstone, Naxxramas, le quartier militaire, avec Gothik, le moissonneur. Et pour Gothik, on sort notre chasseur. Alors pour info, il y a eu une petite info qui est sortie pour Hearthstone cette semaine là. On va pouvoir avoir de nouveaux héros sur des mêmes classes. Et pour, apparemment le premier ça serait le guerrier, donc en remplacement de Garrosh on aurait Mani Barbe de bronze je crois. Donc on pourra choisir soit Mani soit Garrosh, voilà, vous en faites ce que vous voulez, par contre voilà, ce sera payant. À vous de voir, vous en faites ce que vous voulez, vous allez voir, vous allez gueuler ou pas sur le forum de Blizzard, ou vous les acclamez, vous faites ce que vous voulez. Bref, c'était l'info du jour. Alors, première main, donc elle utilisa toujours trop cher, le reste on peut le garder. Ok, bah ouais, bah on verra, on va en chier. Travail terminé. Qu'est-ce qu'il va nous sortir le Gothik ? Ouais, de toute manière, j'ai pas trop le choix. Levez les boucliers. Je suis pas très fan de cette première main là, que depuis tout à l'heure. Pardon, excusez-moi. Alors, soit je sors le camouflage, soit je sors le compagnon aléatoire, soit je sors lui, mais j'ai pas envie de le sortir. Le compagnon. Ici. Ok. Je râle. C'est nul qui est sorti sans premier par contre. Ah ok. Ah ok. Ok. Je pense que ça là on la perd. Mes serviteurs, si vous voulez, leurs âmes reviendront vous hanter. Ah, trop drôle. Sinon, pour la petite histoire, Gothik le moissonneur dans le quartier militaire. Dans le quartier militaire, c'est un boss un peu particulier. Toujours dans l'esprit de World of Warcraft. Hein. C'est un boss qui est sur une terrasse, en haut, en hauteur. Il nous regarde. Quand on rentre dans la salle, c'est une salle qui est divisée en deux parties. On va dire que le plateau c'est la salle et que cette division c'est la ligne. D'un côté, il va falloir mettre les castes du groupe de raid et de l'autre les cacs. Car de sa terrasse, le petit Gothik, il envoie des vagues de sbires comme ça, des vagues de mobs. Et d'un côté, ce sera plus des mobs qui seront pour les castes et de l'autre plus pour les cacs. Bon, on fait ça pendant quelques temps. Et par la suite, monsieur descend de sa terrasse. Et il va se taper d'un endroit à l'autre à la terrasse. Et il faudra le tuer comme ça. Voilà. Il n'est pas bien méchant. C'est des petites subtilités comme ça. Nous, on reprend notre jeu de cartes. Lui, il va falloir le jouer de toute manière parce qu'il est un petit peu maudit. Il est corrompu. Ouh. On va sortir ça. On va sortir ça en secret. Sera déjà fait, et là de toute manière lui il crève donc autant faire un peu de ménage. Voilà, êtes-vous prêts pour ça? Et ouais, alors 6, alors oui, oui, ah oui, ah je dis oui. Voilà. Et on va sortir ça tant qu'on y est. Je réfléchis encore. Hein. Non. On va attaquer lui là. Est-ce qu'on... Non. Normalement, le camouflage, ce que j'aime bien faire, c'est le laisser camoufler et qu'il gagne un petit peu de plus en plus. Hein. Bon, là, voilà, j'en étais sûr. Je voudrais préférer qu'il tape là. Bon, tant pis, c'est pas grave, j'ai mal joué. J'ai très mal joué. Mais. Non, ça, on va le garder. Mais on peut faire ça. Ah oui, donc la particularité de ce boss sur Hearthstone, c'est qu'il a des cartes de ce genre. Et ça nous invoque, donc si on le tue, un cavalier spectacle de notre côté. C'est quelqu'un qui ne peut pas attaquer, qu'on va garder. Et à chaque fois, à chaque tour qu'on va le garder, on va avoir un point de dégâts. Donc si on se retrouve avec 4 mobs, ça fait 4 points de dégâts par tour. En gros, 4 trucs spectraux là. C'est très chiant. C'est pour ça que je ne le tue pas en fait. Je vais essayer de tuer le reste, mais tout ce qui est avec ce râle d'agonie là. Oh merde. Ça c'est pas cool. Parce qu'en plus ils ont de la vie ces trucs là. Alors. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure en fait. 2 points de dégâts à tous les personnages ou 1 point de dégâts à tous les serviteurs. Donc 3 quoi. Donc 3. Dans tous les cas, il faut virer ça provoque donc. Ça m'emmerde. Ça m'emmerde de faire ça, mais j'ai pas trop le choix. Ton mère, faut attaquer lui là, et j'ai pas. Tiens, voilà. Voilà. Bon, on va tenter. Il paraît que vous avez un problème. Ouh, ça fait mal ça. On y est. Ça fait beaucoup mal en fait. Oh, on a gagné. On a gagné. Attends, on va regarder. Cri de guerre, on va faire ça. 5 et 3. Et là, magie. J'aurais pu gagner autrement. 5 qui finissent. Ici, me dit lui ? Non, j'ai pas envie. Je vais faire ça. Voilà, mais ça c'est juste pour le fun en fait. Parce que là on a 7 points, il y en a 8. Et après on aurait fait ça, on aurait gagné. Sauf que j'avais une carte qui... Ouais, c'est juste que j'avais envie pour le troll. Voilà. Alors on fait ça. On fait ça. Lui il fait quoi? En plus, ouais non. Allez on gagne. Et pourquoi Gothik ne reviendrait pas sous forme spectrale? Allez quoi. Non, Kel'Thuzad, ça ne marche pas comme ça. Voilà, ici se termine ce petit boss, pas si petit que ça. Gothik le Moissonneur, on se retrouve dans un instant pour le dernier boss du quartier militaire de Naxxramas sur Hearthstone. En attendant, comme d'hab, suivez les liens qui vont défiler sur l'écran dans la description de la vidéo et on vous aime, on vous fait des bisous, des câlins, tout ça. Ciao.